l'animation riche et variée aux couleurs de la tradition béninoise remplit l'atmosphère de la commune de Grand Popo ce 10 janvier 2024. Le Bénin vénère cette divinité ancestrale. L'événement qui s'est réinventé sous le vocable Vodoundays a aussi déployé ses ailes sur la cité balnéaire devenue le carrefour où des adeptes, toutes catégories confondues, se mettent en vedette. Attention ! Dans cet univers où les Vaudous s'y communient avec le panthéon vaudou, la reine Lissassi à Kouetroua n'a pas voulu rester à l'écart. Une descente qui est l'expression de son attachement aux valeurs endogènes. Entourée des membres de sa délégation, elle a salué le public venu célébrer ce grand rendez-vous culturel et cultuel. Le vaudou est une religion endogène qui particularise le Bénin, qui d'ailleurs en est le berceau. Pour la reine Lissassi à Kouetroua, c'est le moment de réaffirmer son appartenance à cet héritage qui mérite qu'on y accorde du prix. Ça coule dans notre sang et on ne peut jamais le laisser passer. On souhaite aujourd'hui que la fête soit belle pour eux, avec des bénédictions. Nous devons comprendre que notre culture est vaudou. Vaudou n'est pas diable, vaudou n'est pas Satan. Bien au contraire, si vous nous voyez nous autres dans cette posture, c'est vaudou qui nous a fait. Après Grand Popo, la première vice-présidente de la CNCBB a poursuivi le déroulé de son agenda. Une étape faite de visite du palais du roi central des Rois avec des arrêts momentanés au pied ou devant des loges de certaines divinités. Passer cette séquence d'allégeance aux forces de l'invisible, direction la place des fêtes d'Adjara, où elle est également attendue. Ici, reine Lissassi à Kouetroua est revenue sur la perception que doivent avoir les fils et filles d'Adjara envers le vaudou. Le Vaudou Days n'est pas passé inaperçu aux yeux de la reine Lissassi à Kouetroua. Elle a concocté un programme bien fourni qui lui a permis de vivre cette fête dans toute sa dimension.